12h, 12h30, la nouvelle scène France Bleu Picardie. Valentine Costa. Bienvenue dans la nouvelle scène France Bleu Picardie. C'est le week-end, on parle musique, on parle talents musicaux de la région avec un groupe Picard qui nous vient de Saint-Quentin. C'est Garage Monkey qu'on va découvrir ce week-end. On dit bonjour à Eddy, Geoffrey et Alex. Bonjour les garçons. Bonjour Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour Valentine. Ah, j'aime bien, il y a du monde. On est ici à l'espace Saint-André d'Abbeville pour des titres live qui ont été enregistrés par les équipes techniques de la radio. Un petit, sur ce sommaire, un petit retour, comment vous l'avez vécu, c'était cool? Ah, c'était vraiment très très cool, ouais. On a vraiment beaucoup apprécié, je pense. Ouais. Je parle de l'engagement à 2-3, mais ouais, je pense. Dans un. Toujours des expériences enrichissantes. Génial, super équipe, bonne ambiance. Ouais, c'est vous connaissez un petit peu Abbeville, de ce coin. Ok. Je connais pas, donc on a découvert. En fait, très bel endroit. D'ailleurs, merci d'être venu de Saint-Quentin et de jouer le jeu du live. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec Beautiful Black Smoke sur France Bleu Picardie, en live évidemment. Les talents Picard à l'honneur, c'est la nouvelle scène France Bleu Picardie. Garage Monkey sur France Bleu Picardie, Beautiful Black Smoke, extrait du dernier album Space Monkeys. Oh, il y a des singes partout. Eddy, qu'on a déjà reçu hein, plusieurs fois sur France Bleu Picardie, il est accompagné de Geoffrey et Alex. Et pour la première fois, donc en live à la radio, c'est cool. On est ravis de vous recevoir. Moi, j'aimerais... je vous ai jamais posé la question du singe, mais pourquoi un singe? Pourquoi Garage Monkey? Pourquoi ce singe partout? Parce que vous l'avez amené aujourd'hui. Il y avait un petit singe sur les amplis, c'était rigolo. Ouais, effectivement, le singe, il nous suit comme une sorte de mantra là, depuis pas mal de temps. Et le singe, en fait, on a un cousinage, hein, nous, les êtres humains, là, avec le singe. Et,
J'aime bien ce côté un peu foufou, un peu ado, qui a pas envie de grandir. Voilà, c'est un animal qui me plaît bien. Et qu'on voit un petit peu dans vos clips, sur, sur les pochettes d'albums, dans le visuel, on le voit un petit peu partout. J'ai remarqué quelque chose avant, Garage Monkey, il y a eu un petit changement de nom, c'était Garage Nine avant. Ouais, tout à fait. Avec l'arrivée d'Alex, on a... Oui. Bienvenue Alex. Avec l'arrivée d'Alex, on a changé effectivement légèrement le nom. Et puis voilà, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Nouveau chapitre, mais il y a toujours ce dernier album à défendre et dont on va parler. Space Monkey, du coup, vous l'avez pas mal fait tourner là, sur les derniers mois, pas mal défendu. Ça va continuer en 2024. On va pouvoir continuer de découvrir cet album. Ah oui, tout à fait. On va continuer de jouer les morceaux qui existaient auparavant. Et puis... on va également, avec l'arrivée d'Alex, aller vers du nouveau. Là, on a ces deux objectifs-là. D'ailleurs, je crois que sur le week-end, vous nous avez prévu des nouvelles compos. En plus, il y a des nouvelles choses à découvrir. Tout à fait. Alors, il y a effectivement une nouvelle compo qu'on a mise en place très très vite avec l'arrivée d'Alex. Et puis, on a voulu également renouveler un petit peu le set et amener des nouvelles reprises. Donc, il y a deux nouvelles reprises également qui sont présentes dans la setlist. On va remonter un petit peu le temps. Garage Nine, c'était né dans un garage avant de devenir Garage Monkey. La genèse du groupe, enfin surtout dans l'univers, c'était du rock garage. C'est du rock garage. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Disons que le rock garage, c'est une période du temps qui nous plaît bien parce que le garage rock, en fait, c'est le moment où le rock and roll se démocratise en fait et où des gamins américains peuvent s'acheter pour pas trop cher des instrus et jouer très mal parfois d'ailleurs dans les chambres, dans les caves, dans les greniers, etc. Mais pourquoi ça, très mal? Parce que souvent, mais en fait, c'est ça quoi. C'est des gamins qui jouent pendant 3 heures un mercredi après-midi entre potes. Ils sont lycéens et ils jouent pendant 2h55 très mal. Et puis il y a peut-être 5 minutes de bonheur en fait. Et ils vont se raccrocher à ces 5 minutes-là et ils arrêteront jamais de faire de la musique. Ouais, mais alors aujourd'hui, Garage Monkey, et on peut le dire. Enfin, là, on le voit pendant la prise de son. Ça s'est fait quasiment dans un one shot. Il y a quasiment rien à retoucher. On sent, vous jouez très bien. Il y a de la technique, il y a des années d'expérience, que ce soit pour vous à la guitare ou au chant, mais aussi pour le batteur ou encore pour le bassiste. Donc ouais, c'est du rock garage, mais du bon rock garage alors. Je pense que c'est parce que nous sommes restés des grands adolescents. Ouais, mais ça bosse derrière, ça bosse dur en vrai, pour être très sérieux. Oui, les répétitions, on essaie de faire en sorte d'avoir cette espèce de mix entre la bonne entente, la convivialité qui est extrêmement importante bien sûr, et puis à côté... objectif et travail, et voilà, on essaie de concilier les deux et je pense qu'on y arrive très très bien. Mais alors, comment vous bossez? Comment ça se passe le boulot chez Garage Monkey? On s'envoie des messages la semaine. Hein, ouais, parce que vous êtes tous un... la musique c'est un métier, mais vous avez tous un autre métier à côté, si je puis dire. Donc ça demande du temps de bosser, de caler des répètes, d'écrire des chansons, de composer de la musique. On essaie déjà de maintenir une répétition par semaine. Mmh. Et puis le reste du temps, on travaille un petit peu chacun de notre côté. Mais ouais, c'est une véritable passion. Alors après, effectivement, on a des jobs à côté, des vies de famille même. Donc c'est quand même assez... chronophage le groupe aussi quand on rajoute à tout ça, mais c'est une telle passion que on peut pas s'en passer quoi, je pense. Puis derrière il y a une discussion continue en fait, communique beaucoup. Ouais. On communique beaucoup en continu, le matin, soir, midi, pour échanger justement sur les morceaux, sur comment la jouer, sur quel morceau on peut jouer, sur quoi on s'oriente, enfin. Donc il y a cette discussion continue, le travail individuel de chacun chez soi, et puis on met tout ça en commun une fois par semaine, au minimum, on répète. Quoi. Il y a un truc qui me marque aussi, j'allais dire qui me choque, non pas du tout, qui me marque, c'est le bon mot, vous avez une banane quand on vous voit, ça rigole, ça sourit, tous les trois, quoi, vraiment, ça danse aussi. Alors là, j'interviens parce qu'effectivement, pour moi, la notion principale, c'est le plaisir. Et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Un groupe, c'est cette énergie-là, c'est cette envie de jouer, se prendre une bonne baffe dans la gueule, mais de manière positive. Et là, je pense qu'on la prend, quoi. Et oui, je pense que ça se voit et nous, on est heureux de jouer, tout simplement. Mais ça se voit et ça s'entend, du coup. Je pense que, du coup, c'est intimement lié. J'ai l'image du batteur d'Alex qui se marre, mais vraiment, il est content d'être là. Enfin, on voit que vous êtes tous contents d'être là et ça s'entend dans la musique, même quand on met le CD, quoi.
Et puis en fait, comme on a à peine 17 ans et des poussières, on a encore beaucoup de joie juvénile et tout ça. Non, mais c'est vrai ce que dit Geoffrey, c'est le plus important, c'est le plaisir dans la musique, c'est la chose la plus importante. Mais je reviens sur l'esprit garage dont on parlait tout à l'heure. Un gamin qui sait faire que 3 accords et qui s'éclate à les faire, vaut mieux ça plutôt que de savoir jouer 150 000 notes à la seconde et emmerder tout le monde avec ça. Le message est passé. Garage Monkey sur France Bleu Picardie. Alors, vous êtes des singes, mais vous faites très bien le loup ou le chien. On va l'entendre tout de suite avec Dog on the Highway en live sur France Bleu Picardie à l'espace Saint-André d'Abbeville. Garage Monkey sur France Bleu Picardie, Dog on the Highway. Eddie, Geoffrey et Alex sont à mes côtés. Dog on the Highway, il me semble que c'était le premier extrait du nouvel album, Space Monkey. Ouais, tout à fait. C'est le morceau du deuxième album qui a donné naissance au dernier clip, en fait. Dont on est très fiers d'ailleurs. Ouais, bah en plus, ouais, il y a un petit côté familial dans le clip de Dog on the Highway, parce que je crois qu'il y a vos filles dans le clip, il y a des amis, il y a vraiment toute la communauté aussi que vous avez pu faire adhérer au groupe, qui vous donne des coups de main. Enfin, il y a tout ça derrière. Bah complètement, en fait, on essaie d'intégrer un peu tous les gens qui sont autour de nous. On essaie toujours de travailler en quelque sorte en famille, quoi. Et pour avoir un résultat le plus conforme, entre guillemets, à ce qu'on est, le plus proche de ce qu'on est, en fait.
Et alors là, effectivement, c'est un clip où on abordait un thème un peu plus, peut-être un peu plus sombre, en parlant un peu de vie familiale pas facile pour des enfants et tout ça. Mm-hmm. Mais toujours en gardant à l'esprit qu'à la fin, il faut un petit peu d'espoir et il faut, à travers la musique, si possible, bah, essayer de s'émanciper. La musique ou la culture en général. Quand on fait du rock, du hard rock, du rock garage, qu'est-ce qu'on pense de la musique des années 2020 ? Comment vous sentez dans... Oui, d'accord, c'est un peu une question piège. Elle est peut-être pas sympa, cette question. Vous écoutez des choses actuelles ou pas ? Personnellement, quasiment pas. J'arrive pas à trouver des choses qui m'accrochent. Alors après, il existe certainement des choses très très bonnes, mais il y a un tel flux aujourd'hui d'informations que... Même dans le rock ? Ou le hard rock ? Je sais pas. J'entends parfois des choses intéressantes, mais c'est vrai que après voilà, c'est peut-être parce que je suis resté figé aussi dans une époque et dans un style, mais il y a pas grand-chose qui m'accroche jusqu'à ce que j'achète l'album et que je l'écoute en boucle et tout ça. En tout cas, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Geoffrey ? Ben après, on a des enfants qui, pour certains, qui sont un peu plus grands. Donc oui, il faut au niveau du hip-hop, eh ben, j'essaie un peu de m'y mettre. C'est pas forcément toujours mon dada, on va dire, mais voyez, des fois, il peut y avoir des belles découvertes également. Et puis après, au niveau du rock, après, dans certains festivals, on découvre encore des choses. Oui, c'est vrai qu'on en parlait hors micro tout à l'heure. Ouais, ouais. Tout à fait. Alors des fois, on vient pour une tête d'affiche. Et puis, je pense par exemple au Rock'n qui a eu. Voilà, on découvre des groupes qu'on est venu voir exprès. Et puis, il y avait eu Knucklehead qui était passé il y a une année. Et franchement, c'est une belle claque avec ce groupe-là qui fonctionne, je pense, très très bien maintenant aussi en France. Et voilà, donc il arrive à avoir aussi des belles découvertes comme ça et que ça fait du bien. Ouais, mais d'ailleurs, je pense qu'il y a des très bons festivals dans le coin, et je pense à l'Arsenal Rock Festival qui a un bon cru. C'est un lieu incontournable, l'Arsenal Rock Festival. Vous y avez joué, c'était 2023 2022 C'était il y a deux. Ouais, bah 2022. 2022, bah oui, c'est ça. Ouais, le temps passe. qui promeut un peu la musique rock dans la région, et je trouve ça bien. Parce qu'il y a quand même un bon cru en Picardie de rockers. Beaucoup dans l'Aisne, dans l'Oise. C'est rigolo. Je pense que c'est un genre qui peut pas mourir, en fait. C'est un genre qui passera peut-être un peu underground, qui sera un peu moins sur le devant de la scène, comme ça a pu être le cas pendant l'âge d'or, dans les années 60, ou plus récemment dans les années 90, où il y avait vraiment beaucoup de rock'n'roll. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins sur le devant de la scène, où effectivement le hip-hop a pris un peu le pas et tout ça. Mais c'est une musique qui pourra jamais mourir, le rock'n'roll. Comme la pop culture. Comme la pop culture. Parce que je sais que ça vous inspire pas mal. Alors oui, pour revenir un petit peu sur l'Arsenal Rock, quand tu parlais effectivement de groupes, alors il y a des groupes anciens, moi j'ai bien aimé aussi quand il y avait Burning Heads qui sont passés, juste pour citer une référence, mais en même temps il y avait des groupes qui étaient un peu plus récents. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, des belles découvertes. Après, c'est sur 3 jours, donc il y a le temps de découvrir pas mal de choses. Donc bien aussi dans l'Aisne, il se passe beaucoup de choses. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de bons artistes, il y a beaucoup de belles choses dans l'Aisne. Je rappelle que Garage Monkey nous vient de Saint-Quentin et passe le week-end avec nous. On continue de vous écouter en live à l'espace Saint-André d'Abbeville avec Hipster Trolls. Everywhere they know what it is, well, rock and roll.
10h-12h30, la nouvelle scène France Bleu Picardie. Valentine Costa. Bon week-end sur France Bleu Picardie, week-end toujours musical sur la première radio de la Somme avec la nouvelle scène France Bleu Picardie en live. On vous propose ce week-end de découvrir l'univers de Garage Monkey à l'espace Saint-André d'Abbeville, enregistré par les équipes techniques de la radio avec une nouvelle composition du groupe qu'on découvre tout de suite et on en parle juste après, c'est Broken Doll. Les artistes de notre région sont dans la nouvelle scène France Bleu Picardie. Broken Doll, c'était les Garage Monkey sur France Bleu Picardie, Eddy, Geoffrey et Alex. Nouvelle composition, elle est née quand, cette chanson ? Elle est née avec l'arrivée d'Alex. Dis donc. On tenait vraiment à ce qu'il y ait de la nouveauté. Direct ? Ouais, direct. Vous êtes mis au boulot direct ? Directement, ouais, complètement. Et voilà, c'est un morceau qui est parti d'un riff qui est sorti un peu de nulle part. Et puis tout le monde, ça a semblé plaire à tout le monde, quoi.
Et puis très très rapidement, on l'a mis en place. Et du coup, on a voulu l'intégrer vraiment rapidement à notre set. Ouais. Alex, parce que je suis curieuse, vous veniez d'un univers musical, de quel milieu musical ? Vous aviez un groupe avant ? Comment ça marchait pour vous ? Ouais, concrètement, ça fait 25 ans que je fais de la batterie en groupe. Aussi peu. J'ai toujours joué en groupe, en fait, hein, clairement. Ouais. J'ai un autre groupe à côté, un cover Nirvana. Ok. Un tribute, hein, et j'ai joué dans différentes formations de rock festif, de punk. Ouais, parce qu'on sent qu'il y a de la bouteille derrière, enfin, avec la batterie. Bouteille, je sais pas. Non, mais dans le bon sens, ouais, je veux dire, il y a de la maîtrise. Oui, peut-être, bah, ça fait 25 ans que je m'entraîne, donc bon, c'est vrai qu'à un moment, je commence à bien prendre plaisir, quoi. Et puis, j'ai puisé tout ce que je pouvais puiser dans toutes ces aventures, on va dire. Et puis voilà, aujourd'hui au service des Monkees, quoi. Côté compo, je suis pas sûre que je vous ai déjà posé la question, mais elles racontent quoi en fait vos chansons ? Parce que vous parlez de plusieurs choses différentes, il y a pas mal d'humour aussi dans certaines. Qu'est-ce que ça raconte exactement ? Très souvent, les compos, elles partent d'expériences de vie personnelles, mais qui sont déclinables avec des thématiques qui sont un peu universelles et qui touchent un peu tout le monde, quoi. Donc il y a des morceaux qui sont plus sombres, il y a des morceaux effectivement qui sont plus joyeux, plus festifs, avec des références un peu à la pop culture et tout ça. John McLean. Mais voilà, mais dans tous les cas, même les morceaux les plus sombres, on essaie de les jouer avec la même énergie et le même sourire sur scène, parce qu'on veut montrer toujours, c'est toujours le même mantra en fait, qu'à travers... la musique, là en l'occurrence, on arrive à transcender les problèmes éventuels qu'on peut rencontrer dans la vie et à les dépasser et à continuer d'aller de l'avant. Et c'est facile. Vous écrivez en anglais, vous m'avez dit ? Ouais, en anglais, tout le temps quasiment. Ouais, non, mais c'est pas facile d'écrire dans une langue qui n'est pas la sienne. Bah, ça vient du fait, je pense, que tout ce que j'écoute comme musique, c'est anglo-saxon. Et donc, j'ai plus de facilité avec les sonorités de la langue anglaise qu'avec le français. J'arrive pas à composer en français, en fait. C'est impossible. Et c'est vous qui composez tout ou il y a la musique comment ça marche, la composition en La musique, c'est vraiment un travail collectif. Alors ouais, là, particulier avec le dernier morceau, Broken Doll, okay. Vraiment, chacun a apporté sa patte, sa touche et puis ses petites idées qu'on intègre, qu'on essaie, qu'on revient en arrière. Enfin, vraiment, c'est un vrai travail d'équipe. Et les paroles, c'est moi qui les ai écrites. Ouais, bah vous êtes écrivain aussi à côté, hein. Vous avez écrit deux romans, je crois. Ouais, tout à fait, j'ai écrit donc en français quand même. Oui, par contre, je... dans une aventure littéraire parallèle, ouais, tout à fait. Bah, non, mais c'est important de le noter. On va parler de la suite avec vous dans quelques instants. Comment vous voyez votre année, vous, 2024, avec les Garage Monkees ? On va continuer de vous écouter, cette fois avec une reprise, un petit mot. C'est une reprise des Stooges. Pourquoi ce choix ? Bon... Les Stooges, c'est mon groupe mythique. C'est le groupe d'Iggy Pop qui a été formé à la fin des années 60, qui a pas beaucoup marché en fait, parce que Iggy Pop a un peu inventé le punk rock, mais c'était trop tôt et les gens n'étaient pas prêts. et voilà. Mais ouais, je suis obligé de jouer les Stooges. Parce que quand vous faites des reprises, je vous ai déjà entendu faire du Nirvana aussi, me semble-t-il. Oui, bah après, on a eu notre adolescence dans les années 90. Ouais, ouais. On a aussi baigné dans tout cet univers grunge, stoner et un peu métal aussi, hein, certains aspects dans les années 90. Mais on vient aussi de ce proto-punk là, de Détroit de la fin des années 60, et également du punk rock première génération, on va dire, surtout hein, en ce qui nous concerne. Mais voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est un mix de tout ça, nos influences. Culture musicale quand même assez pointue, il faut le dire. On sent la passion derrière. Non, mais c'est vrai. Down on the Street, reprise du groupe Les Stooges par Garage Monkey sur France Bleu Picardie. Rhythm of mine.
Down on the Street, les Stooges sur France Bleu Picardie par Garage Monkey à l'espace Saint-André d'Abbeville en live. Eddie, Alex et Geoffrey sont autour de moi. Prochaine chanson qu'on écoutera, c'est une reprise cette fois. Alors d'un groupe que je ne connais pas. Va falloir éveiller ma culture. Faire gonfler ma culture musicale. New Rose par le groupe Damned, les damnés quoi. Ouais, c'est ça, c'est un groupe punk anglais de la première heure, les Damned, qui avait un côté très, très décalé, très rigolo. Et c'est un morceau qui a été repris également par les Guns N' Roses dans les années 90. Moi, okay. C'est comme ça que je l'ai découvert sur un album qui s'appelait The Spaghetti Incident. Ouais. Et les Damned, c'est vraiment, voilà, ça rejoint un peu toute cette. Ce pied-là qu'on a dans les 70s et dans les 60s. Et c'est un groupe qu'on aime énormément. Qu'est-ce qui va devenir en 2024 pour Garage Monkeys? Les projets, là, dans les prochains mois, dans l'année, pour le groupe? Déjà du live. Ouais, ouais. On veut aller sur scène le plus possible. Donc voilà, parce qu'on s'éclate vraiment là. C'est le summum, en fait, de l'éclat, le live. Enfin, c'est tout ce qu'on fait, c'est pour ça, quoi. C'est pour essayer de transmettre un peu aux gens cette bonne énergie et cette joie de vivre qu'on a quand on est sur scène. Je crois que le premier live de l'année, c'était en février à Saint-Quentin. C'était en janvier à Saint-Quentin. Janvier. Ouais, c'était le 20 janvier au Mephisto Pub. Mephisto Pub, qui est un endroit très important pour nous. C'est une pierre angulaire de la culture rock sur Saint-Quentin. Et c'est un des premiers lieux qui a su nous accueillir, nous ouvrir les portes, tout à fait, comme tu Geoffrey. Et on était très contents, du coup, de lancer le chapitre Garage Monkeys, cette nouvelle formule, du coup, là-bas. Des festoches, peut-être vous êtes en train de bosser là-dessus? Comment on joue en juin dans un festival axonais encore qui s'appelle le Rock in Sissi, avec tous des copains dans l'organisation qu'on salue d'ici. Ouais, ouais, ça c'est bien. Et est-ce que vous avez déjà des projets, parce que comme vous commencez à composer de nouvelles choses, des projets peut-être d'un nouvel EP ou album? Alors pour 2024, c'est trop tôt. Le projet pour 2024, c'est de faire un nouveau clip, en fait, cool. Pour célébrer un petit peu voilà ce nouveau chapitre. L'arrivée d'Alex, tout ça, bah ouais. Tout à fait, faire un nouveau clip sur la compo qui a été proposée dans cette liste sur Broken Doll. Et effectivement, sur un plus long terme, donc sur 2025, on va dire, on aimerait beaucoup en 2025 retourner en studio pour un nouveau disque. Mais pour l'instant, il est encore un peu tôt, évidemment. Mais on va bosser, ça c'est certain. Où on les trouve? On va bosser dur, effectivement, à s'attaquer à de nouvelles compos. Non, mais ça, j'en doute même pas pour le travail. Du coup, on les trouve où? Alors, parce qu'il y a un EP et deux albums au total qu'on peut se procurer où? Alors, pendant les lives, ouais, les concerts. Ils sont mis en vente toujours à chaque concert et toujours à prix libre, hein, puisque c'est un peu la philosophie depuis le début, et puis ça continuera sur cette lancée-là. Bah, génial, on vous retrouve sur Facebook, évidemment. En plus, il y a une petite communauté qui vous suit, qui a fait un groupe, je crois, hein, qui vous suit un petit peu, un groupe Facebook. Ouais, on a une fan page. Ouais, c'est ça, on a une fan page là, qui a vu le jour sur Facebook, qui nous suit depuis maintenant pas mal de temps et qui, c'est chouette. Qui est composée de gens. Ce qui est assez magnifique, c'est que c'est un groupe de personnes qui est vraiment très, très, très hétérogène en termes d'origine sociale, d'âge, enfin, on a vraiment tous horizons. Et ça permet du coup à ce que des gens qui normalement ne se rencontreraient jamais dans la vie puissent se rencontrer et passer un moment convivial ensemble lors des concerts. Et ça, je trouve ça assez magique. Ah bah ouais, quand on réussit ça, on a déjà presque tout réussi, en fait, à rassembler des gens avec la musique. C'est la chose la plus importante. Je crois que le plus beau compliment qu'on ait pu me faire à la fin d'un live, qu'on ait pu nous faire à la fin d'un live, c'est un gamin de 19 ans qui a 19-20 ans, qui a assisté au truc un peu en retrait, qui est venu nous voir un peu timidement à la fin et qui nous a dit j'ai un peu sur le ton de la confidence, j'ai plein de problèmes, mais ce soir pendant 2 heures je les ai oubliés. C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. Ça c'est joli, effectivement. Eddie, Geoffrey, Alex, les Garage Monkeys sur France Bleu Picardie. On se quitte en musique et toujours en live avec donc cette reprise de Damned, New Rose. Moi je vous dis à bientôt. Et bientôt, Valentine. Pour de nouvelles aventures. Ah oui. À bientôt. Did you really